comme cet air me plaît. Qu'est-ce ? Notre fanfare, mon jeune homme. Notre marche de mousquetaire du roi. Je suis bien heureux de l'entendre. Et moi, bien malheureux de constater votre ignorance. Quel âge avez-vous ? 18 ans, je viens d'arriver à Paris. Je m'en doutais. Mais diantre, que venez-vous faire ici ? Voir monsieur de Tréville. Notre chef ? Le grand capitaine des mousquetaires. Croyez-moi, il a d'autres chats à fouetter. Oh, je le vois bien. Que voulez-vous dire ? J'ai adressé à monsieur de Tréville une lettre pour lui demander audience. Notre capitaine n'aime pas perdre son temps avec des mouches-du-coche. Éloignez-vous. Et non, je dois entrer. Non, vous ne passerez pas. Monsieur d'Artagnan ! Monsieur d'Artagnan ! Mais c'est moi qu'on appelle. J'arrive ! Écartez-vous, monsieur. Je ne peux pas faire attendre monsieur de Tréville à cause d'une mouche. Insolent ! Nous nous retrouverons. J'ai lu votre lettre. Non seulement, comme vous l'écrivez, nos deux familles, les Tréville et les D'Artagnan, sont de Gascogne, mais j'ai beaucoup aimé monsieur votre père. Que puis-je faire pour son fils ? Monsieur, j'ai quitté Tarbes pour vous demander d'être admis comme mousquetaire, mais une telle faveur... Il ne s'agit pas de faveur, mais de mérite. On ne reçoit personne mousquetaire avant l'épreuve préalable de quelque campagne ou action d'éclat. Ah, mais je suis prêt à subir l'épreuve. Et ne croyez pas que ce soit pour mener une vie tranquille. Tenez, je dois parler à trois mousquetaires qui sont peut-être les meilleurs. Je vais les convoquer devant vous. Athos, Porthos et Aramis. Athos, Porthos, Aramis. En attendant, je dois vous dire que je suis un peu surpris de n'avoir pas à votre sujet une lettre de monsieur votre père. Il vous en a écrit une. Où est-elle ? On me l'a volée dans un hôtel. Justement, je voulais vous... Ah, voici Porthos et Aramis. Tiens, pourquoi Athos n'est-il pas avec vous ? Répondez, Aramis. Monsieur, il est malade, très malade, notre ami Athos. Qu'a-t-il fait encore ? Savez-vous ce que m'a dit le roi hier soir ? Non. J'espère que vous nous ferez l'honneur de nous le dire. Il m'a dit qu'il recruterait désormais ses mousquetaires parmi les gardes de monsieur le cardinal. Pourquoi ? Parce que monsieur de Richelieu venait de raconter à sa majesté Louis XIII que ses gardes, au cours d'une ronde, vous avez trouvé tous les trois attardés dans un cabaret de la rue Férou, faisant du bruit. En vérité, mon capitaine, les gardes de monsieur le cardinal ont surtout essayé de nous supprimer. Ils nous ont pris en traître. Et avant que nous eussions pu tirer nos épées, notre ami Athos tombait à terre grièvement blessé. Quant à nous, entraînés de force par les gardes, nous serions prisonniers si nous n'avions conservé assez de vigueur et de souplesse pour leur échapper. Je ne savais pas cela. Mais faites bien attention. Si les mousquetaires paraissent à sa majesté comme des hommes encombrants, désordonnés, inutiles... Je devrais lui remettre ma démission. Athos. Athos. Vous m'avez mandé, mon capitaine. Je m'empresse de me rendre à vos ordres. Je sais que vous avez été blessé cette nuit, Athos. Vous êtes bien pâle. Allons, serrez-moi la main. Et qu'avez-vous ? Athos. Il souffre. Vous venez de toucher sa blessure, mon capitaine. Il s'évanouit. Emportez-le vite auprès de mon chirurgien. J'ignorais la rivalité des mousquetaires et des gardes. Il ne s'agit pas de rivalité. J'ai beaucoup d'estime pour monsieur le cardinal de Richelieu, mais je crois que pour faire triompher ses idées auprès de sa majesté Louis XIII, sous couvert de douceur, il ne reculera devant aucun moyen. Or, notre rôle est de servir d'abord le roi, la reine et les Français. Eh oui. Vous avez, monsieur, de grands adversaires. Pourquoi dites-vous cela ? Et en venant à Paris, m'étant arrêté à l'hôtel de Main, j'ai été provoqué par un gentilhomme qui s'est moqué de ma pauvre monture. Voulant défendre mon honneur, j'ai riposté. Mais le gentilhomme, plutôt qu'un duel, a préféré envoyer sur moi tous ses hommes de garde. Leurs coups d'épée ont fini par m'atteindre et en m'évanouissant, j'ai eu le malheur de prononcer votre nom. Lorsque j'ai repris connaissance, il m'avait volé la lettre de mon père pour vous. Comment se présentait ce gentilhomme dangereux ? N'avait-il pas... une légère cicatrice à la joue ? Si, comme les raflures d'une balle. N'était-il pas un homme pâle de teint et brun de poil ? Oui, tout à fait. Vous pouvez, monsieur, me dire son nom ? Je n'en suis pas assez certain. Mais ce que je peux vous donner, c'est une lettre de recommandation pour assurer votre éducation militaire en vous donnant de quoi vivre. Car vous ne paraissez pas riche. Je ne demande, monsieur, l'aumône à personne. Oui, la fierté est excellente.
mais elle ne donne pas de quoi manger et dormir. Mais que regardez-vous par la fenêtre? Oh, sans Dieu! C'est lui! Mais il m'échappera pas cette fois! Mais de qui parlez-vous? De mon gentilhomme insultant et voleur. Il se trouve dans la rue, alors permettez-moi de vous quitter un peu brutalement! J'avais tort de me précipiter à la légère. Ce ne fut pas un duel que je récoltai, mais trois. Et pas avec mon adversaire ou ses gens, mais avec les trois mousquetaires que je venais de rencontrer. Dans l'escalier, je bousculai Athos en le heurtant sur sa blessure. Pour me donner une leçon de politesse, il me provoqua en duel. Sur le pas de la porte, je me pris dans le grand manteau de Porthos et tombai sur lui. À son tour, il répondit en m'assignant un duel. Bref, quand j'arrivais dans la rue, l'homme que je cherchais avait disparu. Enfin, voyant Aramis qui, bavardant avec des amis, marchait sur un mouchoir tombé de sa poche, je le lui ramassai, mais il prétendit qu'il ne s'agissait pas d'un mouchoir à lui, d'où discussion violente qui se termina par une nouvelle obligation de me battre en duel le lendemain. Comment sortirais-je vivant ? Et je rêvais d'entrer chez les mousquetaires, mais non de me faire transpercer par eux. Et tout de même, je ne veux pas avoir l'air d'un lâche. Je ne suis pas en retard au rendez-vous, mais Athos m'attend déjà. Saluons-nous. Monsieur, j'ai fait prévenir deux de mes amis qui me serviront de second. Ils ne doivent pas tarder. Je n'ai pas de second, moi, monsieur, car, arrivé d'hier seulement à Paris, je n'y connais encore personne. Ah, ça, si je vous tue, j'aurai l'air d'un mangeur d'enfants, moi. Pas trop, monsieur, puisque vous me faites l'honneur de tirer l'épée contre moi avec une blessure dont vous devez être fort incommodé. Ah, sangbleu, que vous m'avez fait mal hier, l'épaule me brûle. Et si vous vouliez permettre... Quoi, monsieur? J'ai un baume miraculeux pour les blessures. Un baume qui me vient de ma mère et dont j'ai fait l'épreuve sur moi-même. Au bout de 3 jours, j'en suis sûr, il vous guérirait. Pardieu, monsieur, voilà une proposition qui me plaît, non pas que je l'accepte. Mêle sans son gentilhomme d'une lieu. Ah ça, que font donc mes flâneurs? Si vous êtes pressé, monsieur, et qu'il vous plaise de m'expédier tout de suite, ne vous gênez pas, je vous en prie. Voilà encore un mot qui me plaît, cela montre que vous êtes un homme de cœur. Ah, mes témoins arrivent. Quoi, messieurs Porthos et Aramis sont vos deux témoins? Cela vous contrarie-t-il? Oh, aucunement. Mais comment, c'est avec monsieur... Que je me bats parfaitement. Mais moi également, j'ai un duel avec lui. À 1 heure seulement. Et pardon, je dois me battre aussi avec vous. Oui, mais pas à 22 heures. Alors c'est à moi de tirer le premier, il est grand temps de commencer, mettez-vous en garde. J'attendais vos ordres. Les gardes du cardinal! L'épée au fourreau, monsieur! L'épée au fourreau! Voilà, mousquetaire! On se bat donc ici? Et les édits, qu'en faites-vous? Vous êtes généreux, messieurs les gardes. Après nous avoir attaqués avant-hier, vous voulez maintenant intervenir dans nos affaires. Messieurs, vous devez rengainer, s'il vous plaît, et me suivre. Monsieur, ce serait avec grand plaisir que nous obéirions à votre gracieuse invitation. Malheureusement, monsieur de Tréville nous l'a défendu. Si vous ne voulez pas obéir, nous allons vous charger. L'audace vous vient toujours quand vous êtes 5 contre 3. Contre 4. Permettez-moi d'être avec vous, messieurs les mousquetaires. Décidément, vous êtes un généreux garçon. Eh bien, que faites-vous, messieurs? Nous allons avoir l'honneur de vous charger. Ah, vous résistez toujours! Finalement, nous l'emportâmes, et j'eus la joie d'intervenir pour dégager Athos qui, épuisé, harcelé par son adversaire, était tombé à genoux. Il eut ainsi le temps de retrouver son souffle et de reprendre son épée. La victoire acquise scella une grande amitié entre les trois mousquetaires et moi. Venez ici, monsieur de Tréville. Venez que je vous gronde.
Son éminence est venue se plaindre de vos mousquetaires, et avec une telle émotion qu'il en est malade ce soir. Comme je le regrette, sire. J'aurais aimé faire reconnaître la vérité à monsieur le cardinal, devant vous. Monsieur le capitaine, on m'appelle Louis XIII le Juste, parce que je sais entendre les deux parties. Mais pourquoi, avant-hier, sur le terrain des Carmes des Chaux, vos trois hommes les plus audacieux ont-ils pourfendu cinq gardes de monsieur de Richelieu ? Votre Majesté n'ignore pas que les mousquetaires qui sont au roi, rien qu'au roi, sont pourchassés par les gardes de monsieur le cardinal. Oui, Tréville. Cela est bien triste pour moi, de voir ainsi deux parties en France, deux têtes à la royauté. Croyez-moi, tout cela finira. Mais que vos hommes n'aillent pas chercher querelle inutilement. Ils n'ont rien cherché. Ce sont les gardes, parce qu'ils étaient 5-3, qui ont voulu les arrêter. Et les mousquetaires ont tenu tête ? Ils l'ont emporté, malgré leur nombre, malgré la blessure d'Athos, grâce au jeune fils d'un de mes meilleurs amis. Comment s'appelle-t-il ? D'Artagnan. C'est lui qui a mis à terre Jussac. Jussac ? Une des premières lames du royaume ? Oui, sire. Finalement, ils ont quitté les Carmes des Chaux, laissant sur le terrain 4 gardes de son éminence. Mais c'est une victoire. Alors qu'ils se trouvaient sur la défensive, c'est très bien. Tréville, vos mousquetaires ne sont pas là ? Si, je les ai fait venir. J'ai pensé que votre majesté... Mais ce jeune homme, si courageux et brillant... D'Artagnan, il attend avec eux. Faites-les entrer. Votre Majesté connaît déjà Athos, Porthos et Aramis. Certes. Ainsi, messieurs, vous avez mis hors de combat 5 gardes de son éminence. C'est trop. Beaucoup trop. À ce compte-là, monsieur le cardinal serait forcé de faire renouveler sa compagnie dans 3 semaines. Et vous, jeune homme, qui me dévorez des yeux ? C'est D'Artagnan, sire. Bien que n'étant rien, vous en avez fait beaucoup. À vous regarder, on voit qu'en vrai Gascon, vous avez plus de courage que de fortune. Sire, en Gascogne, nous préférons servir notre roi et la France plutôt que chercher des mines d'or. Allons, pour vous remercier de votre dévouement, prenez tout de même cette poignée d'or. Et vous la partagerez entre vous. Oh, sire. Mais n'en faites pas trop. Je ne veux pas d'intrigue ni de désordre. Puis-je compter sur vous ? Oh, sire, nous nous ferions couper en morceaux pour votre majesté. Les 40 pistoles que nous donnait le roi tombaient bien. Je n'avais plus d'argent, et mes amis guère davantage. Ayant fort peu mangé les jours précédents, nous commençâmes par nous offrir un bon repas, et puis nous partageâmes le don. Je pus louer un petit appartement, et Porthos m'amena un laquais qu'il avait trouvé au pont de la Tournelle, où celui-ci, n'ayant aucun travail, s'occupait en crachant dans l'eau. Il était picard et se nommait Planchet. Un jour, il entra dans ma chambre avec un air sombre et me dit « Monsieur, c'est une visite. » Tu me l'annonces comme un décès. Je sais que monsieur n'a plus beaucoup d'argent. Et que veux-tu ? Les pistoles ne sont pas éternelles. La solde que je touche en attendant ma nomination comme mousquetaire est très mince. Si tu préfères... Justement, je préfère rester, monsieur. Les changements me fatiguent, il faut chaque fois s'accommoder à un nouveau visage, à une nouvelle voix, à une vie différente. Non, cela m'épuise. Alors la visite du propriétaire m'inquiète. Bah, fais-le entrer. On ne sait jamais à l'avance le dernier mot du sort. Monsieur D'Artagnan ? Je suis très heureux de faire votre connaissance, monsieur Bonacieux. Oh, ce n'est pas pour moi que je viens vous voir, mais... J'ai pensé que vous pourriez faire quelque chose pour ma femme. Hein ? Pourquoi ? Elle a été enlevée hier. Quoi ? Oui. Oui, ma femme est lingère chez la reine, et comme elle sortait de sa chambre de travail, on s'est emparé d'elle. Et avez-vous un soupçon ? J'ai surtout une crainte. Car monsieur de la Porte, l'homme de confiance de la reine, avait placé ma femme auprès de sa majesté pour que notre pauvre reine eût quelqu'un à qui se fier, environnée comme elle est par les espions du cardinal. Ah, je commence à voir. Il y a quelques jours, ma femme me confia que la reine venait de recevoir des renseignements qui l'inquiétaient beaucoup. Parce que, selon ces renseignements... Pour la perdre, le cardinal avait fait envoyer une fausse lettre d'elle invitant le duc de Buckingham à venir la voir à Paris. Bref. Un piège a été tendu pour persuader le roi de l'infidélité de la reine. Et en enlevant ma femme, on ôte à notre souveraine un de ses derniers moyens de défense. Mais qui s'est chargé de l'enlèvement de votre femme ?
Une créature du cardinal, je crois, dont ma femme m'avait montré le visage sans me dire son nom. Un seigneur au teint basané avec une cicatrice à la tempe. Brun ? Une cicatrice à la tempe ? Et j'ai reçu ce matin une lettre me disant que si je faisais une seule démarche pour retrouver ma femme, j'étais perdu. Bah, ce n'est qu'une menace. Mais je ne suis pas fait pour les menaces, moi, monsieur. J'ai peur. Je ne suis pas homme d'épée. J'ai pensé à vous pour cela. Et puis parce que vous me devez 3 mois de loyer. Si vous recherchez ma femme, je ne vous demanderai plus jamais rien et vous donnerai 50 de pistoles. Eh bien, monsieur, votre affaire m'intéresse beaucoup. Au surplus, j'ai 3 amis mousquetaires qui vont m'aider. Avec les pistoles que vous nous laissez, nous allons pouvoir agir sans perdre de temps. Comptant sur vous, permettez-moi de me retirer, car je crains d'être suivi. Planchet ! Planchet ! Oui, monsieur ? Tu vois, tu avais tort. Monsieur Bonacieux est un propriétaire qui ne vient pas pour prendre de l'argent à son locataire, mais pour lui en donner avec un travail intéressant. Oh, c'est encore un changement, mais il a au moins son bon côté. Alors, vous avez réfléchi, vous êtes bien tous de mon avis. Entièrement. J'ai même informé Monsieur de Tréville, qui m'a recommandé de tout faire pour le service du roi et de la reine. Et moi, il y a un fait qui me chagrine, D'Artagnan. En sortant de chez vous, Monsieur Bonacieux a été arrêté par les gardes du cardinal et vous n'êtes pas intervenu. Hey, je ne suis plus un enfant. Seule mon intervention n'avait guère de chance d'arracher mon propriétaire aux mains des gardes. Mais certainement, elle me faisait repérer comme son complice ou ami. Après cela, il me devenait impossible d'agir en sa faveur. Il a raison. Il faut savoir être humble. Et puis, désormais, il est prudent que vous cessiez de venir ici. Ayant arrêté M. Bonacieux, les gardes vont surveiller tous les visiteurs de la maison. Aussi, je vous expédierai Planchet pour vous indiquer le lieu chaque fois que nous devrons nous rencontrer. Vous avez raison. Pour moi, je me demande si l'enlèvement de Mme Bonacieux ne se rattache pas à une présence de M. de Buckingham à Paris. Oh, mais le Gascon est plein d'idées. Bon, alors, avant de nous séparer, nous allons prêter serment d'observer toujours la devise. Tous pour un et un pour tous. Oui, tous pour un et un pour tous. Ayant ôté quelques carreaux du plancher de ma chambre et creusé un peu, je pouvais entendre tout ce qui se passait au rez-de-chaussée, chez les Bonacieux. Les gardes du cardinal y séjournaient et j'entendais tous les interrogatoires des visiteurs imprudents. Un jour, ce furent des cris, des appels au secours. Il s'agissait d'une jolie jeune femme que de ma fenêtre j'avais vue arriver. En écoutant, je compris que c'était Madame Bonacieux. Alors, oubliant un peu la prudence, je descendis avec mon épée. Heureusement, un seul des gardes étant armé, je pus aisément libérer leur prisonnière. Elle fut surprise de constater que je savais son nom et son histoire. Charmante, mais ne faisant guère de confidence, elle me dit seulement qu'elle avait réussi à s'évader. Et cherchant à la cacher, le hasard nous conduisit chez Athos. Mon ami n'était point là, mais comme il m'avait laissé la clé, je pus dissimuler Madame Bonacieux dans sa maison. Lorsque je rentrai chez moi, le soir, une surprise m'attendait. Mon brave Planchet avait un visage de fruit confit un peu desséché. Ah, monsieur, ils l'ont arrêté. Qui ? Monsieur Athos. Pourquoi ? Parce qu'il était Monsieur D'Artagnan. Planchet, tu as trop bu. Non, mais l'émotion me fait sauter des mots. Je veux dire parce que les gardes ont confondu Monsieur Athos avec monsieur. Et Athos n'a rien répliqué ? Il s'en est bien gardé, monsieur. Il m'a murmuré à l'oreille, c'est ton maître qui a besoin de sa liberté en ce moment et non pas moi. On le croira arrêté et cela lui donnera du temps. Dans 3 jours, je dirai qui je suis et il faudra bien qu'on me fasse sortir. Brave Athos, noble cœur. Personnellement, je crois que monsieur ferait bien de s'éloigner. Mais je ne vais pas te laisser seul. Oh, soyez tranquille, monsieur, vous ne me connaissez pas encore. Je suis brave quand je m'y mets. Le tout est de s'y mettre. Et comme pour cela, il faut rassembler toutes ses forces. Et que vas-tu faire ? Et que l'on assure que qui d'ordine, je vais, si monsieur le permet, prendre un bon sommeil. Tiens,
prends aussi ces pièces. Offre-toi auparavant une bonne boisson et un bon dîner. Oh, merci, monsieur. Alors, passe une excellente nuit. Je vais contempler le clair de lune. Brusquement, en cheminant rue Dauphine, j'aperçus devant moi un couple qui me fit tressaillir comme un éclair inattendu. Elle, enfermée dans un grand capuchon, avait la démarche gracieuse de Madame Bonacieux. Lui, portant l'uniforme de mousquetaire, la silhouette d'Aramis. Et, tout en déclarant vouloir devenir abbé, mon ami prenait-il de galants plaisirs? Ou était-il le complice de Madame Bonacieux et partant de la reine, sans rien en dire? Fort curieux et un peu agacé, je l'avoue, je l'ai suivi. Comme il prenait le pont neuf où flambait un bon réverbère, je l'ai dépassé. Cependant, dès que je vis son visage à lui, je restais stupéfait. Et je m'écriais « Mais ce n'est pas Aramis !» Non, monsieur, ce n'est point Aramis. Et à votre exclamation, je vois que vous m'avez pris pour un autre. Aussi, je vous pardonne. Allons, laissez-moi passer. Mais c'est à madame que j'ai affaire. Madame, vous ne la connaissez pas. Mais vous vous trompez, monsieur, je la connais. Oh, monsieur, j'avais votre parole de militaire et votre foi de gentilhomme. J'espérais pouvoir compter dessus. Et moi, madame, je croyais... Je croyais ce que vous voulez, mais laissez-nous passer ou je tire mon épée. Mais je peux en faire autant. Au nom du ciel, ne vous battez pas ici à cette heure, milord. Milord? Est-ce que vous seriez Milord? Oui, vous avez devant vous Milord, duc de Buckingham. Si vous voulez nous perdre tous. Milord, madame, pardon, 100 fois pardon. Excusez-moi et dites comment je puis me faire tuer pour votre grâce. Vous êtes un brave jeune homme. Tenez, prenez ma main. Vous m'offrez vos services, je les accepte. Suivez-nous à 20 pas jusqu'au Louvre. Si quelqu'un nous épie, servez-vous de votre épée. Je fis ce qu'il m'avait demandé, mais aucun accident ne se produisit. Madame Bonacieux et le grand ami de la reine entrèrent sans difficulté au Louvre, où dans son appartement, Anne d'Autriche attendait. Vous savez que ce n'est pas moi qui vous ai fait écrire. Si je vous reçois, Milord, c'est pour vous dire qu'il ne faut plus nous voir. Vous mettez en péril votre vie et mon honneur. Vos paroles sont dures, madame. Mais votre ton et votre regard montrent qu'elles font aussi souffrir votre majesté. Nous n'avons point le droit de trop écouter nos sentiments. Partez, partez, je vous en supplie. Votre majesté ne peut-elle, au moins, me laisser un gage? Que ne donnerais-je pour cela? Prenez ce coffret avec les bijoux qu'il contient. Non, je vous en supplie, ne me dites rien de plus, milord. Madame Bonacieux, qui vous attend dans le couloir, vous reconduira. Alors, vous persistez toujours à déclarer la même chose, monsieur Bonacieux. Vous ignorez même que le sieur d'Artagnan a enlevé votre femme. Comme dites-vous là? Ce que vous devez connaître. Mais comme nous avons arrêté le sieur d'Artagnan, vous allez le voir et vous expliquer avec lui. Faites entrer le mousquetaire. Monsieur d'Artagnan, déclarez ce qui s'est passé entre vous et monsieur. Oh là, mais ce n'est pas d'Artagnan que vous me montrez là. Mais qui est-ce alors? Je l'ignore. Je l'ai déjà vu, mais je ne connais pas son nom. Vous plaisantez. Quel est votre nom, monsieur? Athos. Athos. Mais vous avez dit que vous vous nommiez d'Artagnan. Pardon, c'est à moi qu'on a dit que vous êtes monsieur d'Artagnan. J'ai répondu, vous croyez? Les gardes se sont écriés qu'ils en étaient sûrs, toujours polis et déférents. Je n'ai pas voulu les contredire. D'ailleurs, je pouvais me tromper. Monsieur, vous insultez les gardes. Aucunement. Vous êtes monsieur d'Artagnan. Ah, si vous aussi me l'assurez, je vais finir par le croire. Écoutez, monsieur le commissaire, il n'y a pas le moindre doute. Ce monsieur n'est pas d'Artagnan, que je connais bien, qui paraît beaucoup plus jeune et ne porte pas l'uniforme de mousquetaire. Par Dieu, le signalement vous donne raison. Alors, je ne vois pas pourquoi vous me gardez pendant que ma malheureuse femme. Oh, ne me parlez plus de votre femme.
Vous menez tous les deux à un plan infernal. Infernal, infernal, mais c'est moi, pauvre innocent, qui suis en enfer. Oh là 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 là, si vous n'avez plus besoin de moi, permettez que je sorte, monsieur le commissaire. Il est très ennuyeux, votre monsieur Bonacieux. Taisez-vous tous les deux. Gardien, reconduisez les prisonniers dans leur cachot. Permettez, si c'est monsieur D'Artagnan que vous cherchez, je ne vois pas trop en quoi je puis le remplacer. Faites ce que je dis. Non, attendez. Pas vous, Bonacieux. On peut régler tout de suite votre cas. Vous allez comparaître devant son éminence, le cardinal de Richelieu. C'est lui, Bonacieux ? Oui, monseigneur. C'est bien. Donnez-moi ces papiers, laissez-nous. Vous êtes accusé de haute trahison. Vous avez conspiré avec votre femme et Milord, duc de Buckingham. Mais non, c'est ma femme qui me disait... Quoi ? Que son éminence avait attiré à Paris le duc de Buckingham pour le perdre et pour perdre la reine avec lui. Elle disait cela ? Oui, monseigneur. Je me suis disputé avec elle. Mais quand vous alliez chercher votre femme au Louvre, revenait-elle directement chez vous les dernières semaines ? Non. Elle avait affaire à un marchand de toile chez lequel je la conduisais. Il habitait rue de Vaugirard. Entriez-vous chez lui avec elle ? Jamais. Elle me disait de l'attendre à la porte. Imbécile. Rochefort ! Rochefort ! Votre éminence a besoin de moi. Qu'avez-vous encore ? C'est lui. Qui lui ? Ma femme a été enlevée par ce monsieur que vous appelez Rochefort. Je crois que vous avez encore besoin de prison. Non, monseigneur, non. Non, ce n'est pas lui. Non, je m'étais trompé. Sortez un peu dans le couloir. Vous avez besoin de repos. Alors, Rochefort ? Ils se sont vus. La reine et le duc ? Oui. Ce soir à minuit au Louvre. C'est madame de Lannoy, toute dévouée à votre éminence, et qui me l'a dit. Mais elle l'a su trop tard pour que je puisse intervenir. Ah, voilà qui est bien enrageant. Je venais d'apprendre par cet imbécile de Bonacieux dans quelle maison séjournait le duc de Buckingham en se faisant passer pour un marchand de toile. Maintenant que le duc a vu la reine, il doit l'avoir quittée pour rentrer en Angleterre. Nous avons perdu la partie. Pas forcément, monseigneur. Car la reine a donné au duc un coffret qui contient les ferrets en diamant dont sa majesté avait fait cadeau à la reine. Ah oui, cela est intéressant. Et puis je dispose de Bonacieux. Lâche et intéressé comme il est, on doit pouvoir l'utiliser en le renvoyant chez lui avec de l'argent pour qu'il nous transmette des renseignements. Il me semble en effet plutôt malléable. Et nous allons faire partir un homme sûr et très habile en Angleterre pour qu'il s'empare de deux des ferrets donnés au duc de Buckingham. Je connais une Milady à la cour de Londres qui pourra l'aider. Mais à quoi, monseigneur, voulez-vous aboutir ? Un bal. Un grand bal. Je ne comprends pas. Sa Majesté Louis XIII n'aime guère la danse. Justement. Je le convaincrai que pour mettre la reine à l'épreuve, il doit donner une grande fête au Louvre, en demandant seulement à son épouse de porter ses plus belles perles et ses plus beaux diamants. Vous semblez avoir beaucoup changé en prison. Évidemment, j'ai maigri. Je ne vous parle pas de cela. Mais comme mari, vous n'êtes plus aussi dévoué. Auriez-vous un service à me demander ? Oh, pas pour moi. Il s'agit d'une bonne et sainte action. Que faut-il faire ? Partir sur le champ à Londres pour y porter une lettre importante. Londres est bien loin. Il s'agit de dire une personne illustre. Vous voulez dire de me mêler encore à une intrigue de cour ? Ah, monsieur le cardinal m'a bien éclairé là-dessus. Le cardinal ? Parfaitement. J'ai appris à le mieux apprécier et à devenir son ami. Moi, je crois à ceux qui donnent du poids à leurs arguments avec un bon sac. Un bon sac ? Oh, je ne plaisante pas. Regardez celui que m'a donné monsieur le cardinal. Il contient 100 pistoles. C'est le prix de votre dévouement. Écoutez, je continuerai volontiers la discussion, mais un rendez-vous important m'oblige à sortir. Allez, je vous en prie. Oh, que vais-je pouvoir faire pour la reine si mon mari est devenu la créature de Richelieu ? Mon Dieu, qui pourra nous aider ? Qui est là ? Votre ange gardien. Il ne descend pas du ciel, mais seulement du premier étage. D'Artagnan ! Je vous en prie, pas trop de bruit ni de lumière. Il y a des gardes dans la rue. Et oui, j'ai tout entendu.
Je suis prêt à faire un voyage à Londres. Seul? Non. Je crois plus sage de partir avec mes trois amis, Athos, Porthos et Aramis, mousquetaires du roi. Mais vous n'avez peut-être pas d'argent? Peut-être est-ce trop. Eh bien, prenez ce sac. Celui que le cardinal a donné à Monsieur Bonacieux, pardieu, ce sera une chose doublement divertissante que de sauver la reine avec l'argent de son éminence. Chut. Laissez-vous. On parle dans la rue. C'est mon mari avec quelqu'un d'autre. Je disparais. Après avoir informé M. de Tréville et obtenu un congé pour nous quatre, nous quittâmes Paris à 2 heures du matin avec nos chevaux et nos valets. Tout alla bien jusqu'à Chantilly. Mais là, Porthos se disputa dans l'auberge avec un ivrogne qui le provoqua en duel. Ne pouvant perdre de temps, nous dûmes les laisser. À une lieue de Beauvais, des bandits nous attaquèrent. Nous leur échappâmes, mais Aramis, sérieusement blessé, dut bientôt renoncer au voyage. Le lendemain, à Amiens, il me fallut laisser Athos ferraillant pour se défendre contre l'hôtelier et ses hommes qui voulaient tout lui prendre. Je restai seul avec mon brave Planchet. Finalement, je pus m'embarquer à Calais et, non sans peine, être reçu à Londres par Milord, duc de Buckingham. Dès qu'il ouvrit la lettre que m'avait remise Madame Bonacieux, il s'écria : Juste ciel, qu'ai-je lu ? Enfin, le désir de la reine m'est pénible, mais facile à satisfaire. Tenez, voici les précieux ferrets que la reine m'avait donnés. Elle a besoin de les reprendre, que sa volonté soit satisfaite. Ah ! Que vous arrive-t-il, Milord ? Il y a que tout est perdu. 2 de ces ferrets manquent, il en reste seulement 10. On me les a volés. Et tenez, voyez les rubans qui les soutenaient ont été coupés avec des ciseaux. C'est le cardinal qui a dû inspirer le coup. Ah ? A-t-il donc des agents à Londres ? Oui, notamment Milady, duchesse de Winter. À propos, quand doit avoir lieu le grand bal à la cour de Louis XIII ? Lundi prochain. Lundi ? Nous avons encore 5 jours devant nous. C'est plus de temps qu'il ne nous en faut. Mais qu'allez-vous faire ? J'ai un excellent orfèvre. Je vais lui demander de tailler 2 ferrets exactement semblables à ceux qui me restent. Comme cela, vous pourrez en rapporter 12 à Paris. Et je vais m'occuper de votre retour. Vous m'avez dit, cardinal, de donner ce bal pour faire plaisir à la reine, mais elle ne semble guère y trouver un agrément. Regardez comme elle est pâle. Votre Majesté n'a pas remarqué. La reine ne porte pas tous ses diamants. Mais elle a les ferrets que je lui ai donnés. Pas tous, je crois. Si vous voulez bien regarder dans cette boîte, sire. Comment, 2 ferrets ? Si vous comptez les ferrets de la reine, sire, vous en trouverez seulement 10. Vous pourrez demander comment ont pu être dérobés les 2 que voici. Que me dites-vous là ? Voici la reine qui s'avance. Mais elle a tous ses ferrets. Certainement pas les 12, Majesté. Sire, vous voyez, vos bijoux n'ont rien perdu de leur éclat. Je vous remercie, madame, d'avoir satisfait à mes désirs. Mais je crois qu'il vous manque 2 ferrets, et je vous les rapporte. Comment, sire ? Vous m'en donnez encore 2 autres. Mais cela fera donc 14. Voyez. Comptez. Je vois et comprends mal. Eh bien, que signifie cela, monsieur le cardinal ? Désirant offrir ces 2 ferrets, sire, et n'osant les présenter moi-même,
je me suis permis... Ne vous permettez pas trop la prochaine fois. Allons, le bal peut commencer. Épuisé, mais tellement heureux. Mon retour en France, grâce à la filière que m'avait indiqué le duc de Buckingham, s'était déroulé sans accident et rapidement. Introduit secrètement au Louvre par Madame Bonacieux, plus gentille que jamais, j'avais pu remettre à la reine les doses ferrées. Et bientôt, je retrouvais mes trois amis mousquetaires. Nous fêtâmes ensemble le succès ou, si vous préférez, le devoir bien accompli. Évidemment, nous devions tous connaître encore des aventures, mais ce sont d'autres histoires.